Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message eh bien, de ce jeudi 15 août 2024. 15 août, l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? Oui, en dehors que c'est un jour férié, eh bien l'Assomption, elle commémore la gloire de Marie, n'est-ce pas, avec Dieu, au terme de sa vie terrestre. Autrement dit, eh bien, c'est le moment où la Vierge Marie, maman de Jésus, n'est-ce pas, qui est montée au ciel. Et voilà pourquoi le 15 août est un jour férié, qu'on célèbre le 15 août la montée de la maman de Jésus qui est la Vierge Marie, qui est montée au ciel. Voilà pour la petite histoire du 15 août. Et avant de commencer, eh bien, la petite philosophie de ce matin, déclaration, faire un effort quotidien pour celui ou celle qu'on aime est comme une déclaration d'amour, sans cesse renouvelée. Mais en voilà un beau message d'amour, n'est-ce pas? Et quand il y a de l'amour, eh bien, on peut tout. On peut tout. Aujourd'hui, j'ai pigé recyclage, récupération. Ah, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période. Peut-être que vous avez mangé votre pain gris ou votre pain noir et puis que maintenant, vous allez manger votre pain blanc. C'est la fin de quelque chose en tous les cas. Quand on dépose des boîtes en carton ou du plastique dans des poubelles de recyclage, eh bien, c'est pour qu'il soit transformé en autre chose, d'aussi utile que le produit d'origine, n'est-ce pas? Eh bien, pour certains d'entre vous, réfléchissez à vos propres capacités de reconversion. Cette carte, elle vous indique qu'un cycle arrive à son terme. Il y a une période qui arrive à son terme. Et c'est peut-être un temps de récupération et de rétablissement. Vous voyez, ça peut être dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, sentimental. Ça peut être aussi dans le milieu de la santé. Si pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période difficile, ou alors que vous avez subi des revers, eh bien, vous vous sentirez régénéré et de nouveau en forme. N'essayez pas d'imaginer comment ni sous quelle forme. Mais attendez-vous à être surpris, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est inattendu, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, mais c'est quelque chose qui est bénéfique et salutaire. Il y a la fin de quelque chose pour vous, pour certains d'entre vous, la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin des problèmes familiaux, ça peut être la fin eh bien, d'une relation, ça peut être la fin de disputes dans votre couple, ça peut être la fin aussi qui vous amène à une séparation. Il y a la fin de quelque chose. Donc, soyez bien à l'aise hein, pour reprendre ce qui vibre pour vous dans ce que je vous fais comme interprétation. Mais c'est vraiment, en fait, ça me fait penser un peu à la carte de la faux dans le tarot. Hein. On fauche, on coupe, eh bien, pour une renaissance. Eh bien, ici, c'est pareil. Hein. Il y a une renaissance qui va se faire. Donc, c'est quelque chose que vous allez être surpris ou surprise.
Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, il va avoir peut-être une possibilité de combler toutes les pertes que vous avez eues jusque maintenant. Pour d'autres, il pourrait aussi avoir une guérison des blessures du passé. Et la guérison des blessures du passé, ça peut être au point de vue sentimental, ça peut être au point de vue personnel, ça peut être au point de vue de santé, il y a une guérison qui va se faire. Hein. Et peut-être par une rencontre, un renouveau. Tenez bien ça à l'œil de ce que je vous dis aujourd'hui pour à ceux que ça parlera. C'est une carte qui est vraiment bénéfique. Hein. Vous avez morflé jusque maintenant, vous avez été très dur, mais dites-vous maintenant que la vache maigre est derrière vous et que votre pain noir est derrière vous et votre pain gris. Et je termine avec le petit oracle des couleurs. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Mais oui, vous êtes fort, forte intérieurement. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes fort, forte. Allez, je vous souhaite, eh bien, un bon jeudi d'Assomption, hein, de 15 août, reposez-vous, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message, et d'ici là, portez-vous bien, et moi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.